vous invite à prendre place. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints durant la louange. Nous allons avoir un premier temps d'enseignement. Et aujourd'hui, nous sommes gâtés parce que ce sont deux personnes que vous allez entendre l'une après l'autre qui sont très chères à mon cœur. Rémi, que je connais depuis... Oula ! Depuis que j'étais ado, depuis du chemin a été fait, et quelqu'un, voilà, là. Donc le frère Rémi, qui est frère dominicain, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est prédicateur depuis de nombreuses années, qui anime des sessions de guérison intérieure depuis à peu près 20 ans, on va faire maintenant à peu près, qui a été pendant 15 ans aumônier de prison et qui inlassablement vient nous parler de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu qu'il a, de l'amour de Dieu qu'il a pour chacun d'entre nous. Ensuite, nous aurons une petite pause. Quand je dis petite, c'est-à-dire nous n'allons pas ouvrir les stands, mais c'est uniquement pour une question d'intendance et de non-gaspillage. Au niveau de la restauration, ils ont besoin de savoir combien ils doivent préparer de repas chauds pour ce soir, pour qu'il y ait suffisamment de plats pour chacun, mais qu'il n'y en ait pas trop ni peu assez. Donc, à 16h, 16h30, nous ferons une petite pause pour ceux qui ont besoin de réserver leur repas pour ce soir. Vous avez ici même un repas complet, chaud, servi, pour 10 euros. Il faut prendre un petit ticket, comme ça, il prévoit et ça évite, comme je vous l'ai expliqué, du gaspillage et de jeter de la nourriture parce qu'il y en a trop qui sont préparés. Donc ce sera juste un petit temps pour ça, avant le deuxième temps d'enseignement avec Heidi Baker. Ensuite, on arrêtera vers 18h, 18h30 pour démarrer la soirée pas trop tard. On démarrera la soirée vers 19h30, 8h moins le quart. Pour toutes les autres informations, il y a les stands d'accueil qui sont à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles. On est là à votre service. Encore une fois, je vous dis bienvenue parmi nous. C'est un honneur de vous accueillir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment durant ces 3 jours. Qu'il fasse grandir entre nous l'amour, l'unité, grandir en nous cet amour. Comme dit la parole, c'est à cet amour que nous sommes reconnus pour ses disciples. Donc, que ce soit 3 jours où nous puissions témoigner de cet amour de Dieu entre nous pour ensuite le partager quand vous rentrerez chez vous. Amen. Oh là, c'est un petit amen. 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 Ah, il y a quelqu'un dans la salle? Ah. Voilà, bonjour à tous. Nous ne sommes pas encore très nombreux, mais... c'est suffisant pour parler du bon Dieu, même si on n'était que 3, c'est suffisant de parler du bon Dieu. Je ne vais pas vous parler de miséricorde, voilà. Je vais vous parler du bonheur. Alors rien de pire que quelqu'un qui vous parle du bonheur avec un air de tristesse dans les yeux. Mais détrompez-vous, je cache ma joie. Les pères de l'Église, et tant pis pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre, je me redis, tant pis pour vous. Les pères de l'Église ont l'habitude de nous dire que nous ne sommes pas heureux de savoir des choses sur Dieu, mais que nous sommes heureux de posséder sa vie en nous. Ça n'apporte rien de savoir des trucs sur Dieu. On pourrait repartir d'ici en ayant plus de savoir sur Dieu et pas plus de présence ou d'intimité. Vous savez, dans l'ordre de ceux qui savent des choses sur Dieu, le diable est bien placé, il en sait plus que vous, et il n'est pas heureux. Il ne supporte pas le bonheur, il ne veut ni le bonheur pour lui, ni pour les autres, et pourtant, il en sait plus que vous sur la bonne nouvelle. Il sait que le paradis existe, mais il n'ira pas, et il n'en a rien à foutre. Il sait que l'amour existe,
Et ça, ça le débecte. Il sait que la joie existe, il sait que la présence de Dieu existe, il sait que la vie fraternelle existe, et cependant, il n'aura ni part ni héritage dans ce bonheur. Le fait de savoir des choses ne nous rend pas heureux, mais le fait de posséder cette chose ou ce bien nous rend heureux. Savoir que les autres ont du fric, je m'en fous, tant que je ne l'ai pas dans la poche moi-même. Nous sommes donc heureux de le posséder en nous-mêmes. Et notre but, notre objectif, notre tension même en ce monde, notre attente, c'est de vivre l'intimité avec Dieu. C'est de vivre ce bonheur avec notre Dieu. Et ce bonheur se traduit avec des mots très pauvres, des mots de tous les jours, des mots les plus simples. Et comme notre cœur ne sait pas exprimer le bonheur plus qu'avec les mots qu'il a appris depuis tout petit, il en invente même dans l'esprit. On a le mot « je t'aime », on a le mot « je suis heureux », »,« je suis content », on a le mot « youpi ». Et puis avec ça, c'est très difficile d'aller plus loin. Et le Saint-Esprit vient à notre aide dans des soupirs inexprimables. Alors, il y a un proverbe qui dit « cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire », et cela est dans la tension du bonheur qu'on attend. Mais je le compléterai en disant « cœur content soupire souvent ». Donc, une tension et en même temps une attente, un objectif, vivre le bonheur avec le bon Dieu. Parce que lui seul est capable de nous donner ce bonheur que nous cherchons, que nous volons, que nous réclamons, que nous supplions auprès des créatures et des choses. Un face-à-face, un cœur à cœur, et l'Écriture ira jusqu'à dire pour Moïse un bouche à bouche, un souffle à souffle. Dieu parlait à Moïse bouche à bouche, et dans ce bonheur qu'il avait d'être avec lui sur la montagne sainte, on nous dit qu'un jour, il fut tellement aspiré par le bonheur de Dieu qu'on ne retrouva jamais son corps. Parce qu'il fut, nous disent nos frères juifs, enlevé dans un baiser de Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a jamais retrouvé sa tombe. Enlevé dans un baiser de Dieu. Un bonheur qu'il aspirait, une tension qui le faisait attendre, 140 ans, pas trop mal je crois, sinon plus. Et pour ce faire, eh bien tous ces jours-ci vont se succéder ici, des ministères d'hommes et de femmes qui croient au bonheur, pour eux, pour le ciel et pour ici. Et puis, des hommes et des femmes qui, comme vous, aiment louer, aiment faire ces ascensions pour lancer son cœur dans le désir de Dieu. Alors, nous allons nourrir notre âme par la prière, par les temps de louange, mais nous allons aussi nourrir notre cœur et notre intelligence par des enseignements qui vont se succéder aussi, puisque tout concourt à aimer davantage Dieu. Jésus dira à Catherine de Sienne, « Mieux me connaître pour mieux m'aimer. » Je vous disais au début, la connaissance ne donne pas l'amour et le bonheur, mais vouloir connaître Dieu nous permet, si le cœur est ouvert, de mieux l'aimer, mieux le connaître pour plus l'aimer. Autrefois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le psalmiste David au psaume 72, verset 22, « Autrefois, j'étais stupide. » Je ne comprenais pas parce que je ne savais pas
que j'étais avec Dieu. J'ignorais la présence de Dieu. On peut vivre en sa présence, ou si vous aimez mieux, Dieu peut vivre en notre présence sans que nous sachions que nous sommes en sa présence. Ce n'est pas la même chose. Et on peut être malheureux alors que la source du bonheur est là. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne nous l'a pas dit, parce qu'on ne croit pas que cette source du bonheur est pour nous. Autrefois, j'étais stupide, je ne comprenais pas, je ne savais pas que j'étais avec Dieu. Et voici ce que dit David au verset 22. « Mais maintenant, ma part, le roc de mon cœur, c'est Dieu pour toujours. Moi, je suis toujours avec toi qui as saisi ma main droite. » Et le psaume continuera à la fin en disant « Être proche de Dieu, mettre en lui mon espérance, c'est là tout mon bonheur. » Tout mon bonheur, c'est d'être proche de lui, mettre mon espérance en lui et de savoir qu'il est là pour moi. Être heureux pour soi ou pour ceux qu'on aime, à peu près tout le monde a ce désir. Je ne dis pas tout le monde. S'il y a le diable qui n'a pas ce désir, les fils du diable ne l'ont pas non plus. À peu près tout le monde a le désir du bonheur pour soi ou pour les autres. Alors, certains le désirent, ce bonheur, de tout leur cœur, quand d'autres l'exigent de toute leur force. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Désirer le bonheur et exiger le bonheur. Certains veulent le recevoir et le reçoivent volontiers, d'autres cherchent à le prendre sans à le recevoir, le bonheur, à le voler, à l'arracher, sans le recevoir. Certains s'en réjouissent quand ils s'approchent des autres et pas d'eux, et d'autres se fâchent quand ils s'approchent des autres et pas d'eux. Ils ne sont pas contents, non pas que le bonheur n'ait pas frappé à leur porte, ils ne sont pas contents qu'il ait frappé à la porte d'un autre. On peut être fâché du bonheur que les autres ont sans en avoir rien à faire de l'avoir pour soi-même. Un peu comme des gamins. Tant qu'on n'a pas pris le bon morceau de poulet, ils n'en ont pas envie. Dès que vous l'avez dans l'assiette, ils disent « c'est celui-là que je voulais ». Ça devient intéressant dès que les autres l'ont. Mais autrement, ça n'intéresse pas. Rappelez-vous Ésaü et Jacob. Le droit d'aînesse, ça ne l'intéressait pas. Et on nous dit, l'Écriture, il fit peu cas de son droit d'aînesse et de la bénédiction de Dieu, ni de son père, il n'en avait rien à foutre. Mais dès que Jacob a dit « ça m'intéresse », il a dit « on me le vole, je lui en veux à mort ». Ça devient intéressant dès que les autres l'ont, mais ça ne devient pas intéressant pour soi-même. Certains s'en étonnent encore du bonheur, et je suis de ceux-là. Comment le bonheur peut encore frapper à ma porte? Je m'étonne encore quand quelqu'un me dit « je suis content de te voir ». Je m'étonne encore quand quelqu'un me dit « je t'aime ». Je regarde derrière pour voir si c'est à moi. Je m'étonne encore des petites marques d'attention. Certains trouvent cela tout à fait normal. Certains remercient la part de chance, la part de Dieu ou la part des autres dans ce bonheur. Certains, c'est un dû. Et on leur doit ce bonheur. Et ils n'ont à remercier personne. C'est normal, le bonheur.
Je crois qu'on peut enfermer le bonheur dans l'horizon de nos cœurs pécheurs et malades. Le bonheur est plus grand que ton cœur, le bonheur est plus grand que tes péchés, que ton âme malade, et le bonheur est plus grand que ce que tu as déjà goûté jusqu'à maintenant, et le bonheur est plus grand que ce que le monde peut te proposer. Ceux qui cherchent le bonheur à la hauteur de la terre et de ceux qui peuvent le donner, ou ceux qui cherchent le bonheur en croyant que des gens peuvent leur donner ou que des choses peuvent leur donner, ceux-là sont enfermés dans une image du bonheur qui leur ressemble. Un bonheur limité et un bonheur malade qui va finir, car tout doit finir. Staline, qui voulait le bonheur de son peuple, lui qu'on appelait le petit père des peuples, disait « À la fin, c'est toujours la mort qui gagne. » Ça vous donne un petit peu le goût du bonheur qu'il proposait aux nations. Pas moins de 100 millions de morts. À la fin, c'est toujours la mort qui gagne. Parce qu'en ce monde, le bonheur a un goût de pas assez et un petit goût de finitude. Moi, quand les moments de bonheur arrivaient, je les craignais parce que je sais qu'ils me quittaient. Et c'est pour ça que je disais autrefois une devise chapachérienne qui se trouvait vraie, « Quand c'est commencé, c'est déjà terminé. » Et quand je voyais des gens pour un week-end ou quand je faisais un tour de manège, je disais « Quand c'est commencé, c'est déjà terminé. » Et quand les gens partaient ou quand le manège s'arrêtait, je disais « J'avais raison, c'est terminé. » C'est pourquoi l'attente me faisait plus de bien que le bonheur lui-même. L'attente de Noël plus que les cadeaux, parce que c'est un goût de finitude. Le bonheur, selon le monde, a un goût de finitude ou un goût de reviens-y quand ça revient. Même Job, dans son épreuve, dit « Le seul bien que rien ne pourra m'enlever, c'est Dieu. On m'a tout enlevé. J'ai vu tout passer sous mon nez. J'ai dû tout lâcher. Et ce que je n'ai pas lâché, on me l'a pris. Le seul bien qu'on ne m'enlèvera jamais, c'est le bon Dieu. » À la fin, dira-t-il, ce n'est pas la mort qui gagne. Même si le bon Dieu avait l'idée de me tuer, dit Job, même s'il venait à l'idée de Dieu de me tuer, je continuerai d'espérer en lui et à sa vie. Parce que c'est la vie qui l'emporte, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Dans le livre de la Sagesse, au chapitre 2, verset 23, jusqu'au chapitre 3, verset 9, il est dit « Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. » C'est con quand même de traverser 80 ans de sa vie en ignorant cette bonne nouvelle. Dieu nous a créés pour un avenir et une existence impérissables. Que de fois on s'est tenu dans la peur de perdre, que de fois on s'est tenu dans la peur de voir son corps défaillir, la vie des autres disparaître, parce qu'on ignore la vie éternelle. Si tu ignores que Dieu donne la vie éternelle et veut te ressusciter pour que tu partages son bonheur, tu es le plus malheureux de tous les hommes.
Et même si tu crois en Jésus en ce monde, et même si tu crois à la croix, même si tu crois au pardon des péchés, si tu ne crois pas au bonheur éternel, l'apôtre Paul dit, si tu mets ton espérance simplement en lui, que pour cette vie, tu es le plus malheureux de tous les hommes et de toutes les femmes. Je te conseille de manger et de boire, car demain, tu vas crever. Mourir, ça revient au même. Ce n'est pas intéressant de mettre sa joie dans Bouddha, simplement pour passer ce monde avec moins d'emmerdes, si on peut, en pensant que tout est illusion. Ce n'est pas intéressant de passer même sa vie avec Jésus en voyant le profil de la croix et notre Jésus remonté aux cieux, là où il était avant. Ça nous fait quoi qu'il aille là où il était avant? Je suis content pour toi, Seigneur. Je suis très content pour lui. Ce qui fait ma joie aussi, ce n'est pas simplement qu'il dise, lorsque vous me verrez là où j'étais auparavant, dans la gloire, c'est qu'il dise, là où je suis, moi je veux aussi que tu sois avec moi pour partager la gloire qui est la mienne. Ça m'intéresse aussi. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise définitive sur eux. Je ne dis pas qu'aucun tourment ne les assaille. Je ne dis pas qu'aucune tentation et qu'aucun tourment ne les agresse. Je ne dis pas qu'aucun tourment cherche à les avaler. Je dis simplement ce que dit l'Écriture. Aucun tourment n'a de prise définitive sur eux. Même la mort est obligée de lâcher prise. Et la maladie lâchera prise. Et la mort lâchera prise, et la colère lâchera prise, et le péché lâchera prise. Et un jour, vous verrez que vous êtes parfaitement libre. Vous allez dire, ça serait mieux que le filet se déchire dès maintenant pour goûter à cette liberté. Dès maintenant, pour certains, oui, pour d'autres, espère encore un peu. L'espérance ne déçoit pas parce que ça lâchera prise un jour quand même. Le filet s'est rompu et vous échapperez. Vous échapperez aux manipulateurs, vous échapperez aux gueulards, vous échapperez aux méchants, vous échapperez à vos péchés, vous échapperez à vos limites de vie. Un jour, vous échapperez. Et quand on sait qu'un jour on va échapper, on est déjà content et fort avant même que ça ait lieu. Quelqu'un qui a la trouille quand il est petit, d'un plus grand que lui ou d'un plus fort que lui. Il est déjà rassuré simplement quand il dit « Je m'en fous, mon papa est plus fort que le tien et il va venir me chercher à 4 heures. » T'as intérêt de te casser avant. Et le fait de voir arriver son grand frère dans la cour de récréation, ça vous donne déjà des petites allures de coq. Bien sûr, quand ce n'est pas encore là, le fait de savoir que ça va être là et que ça ne manquera pas vous donne des allures déjà de ressuscité avant même de traverser la mort. Ça devient une formalité et je le dis souvent, j'ai horreur des formalités. Je n'aime pas les papiers à remplir. Alors si quelqu'un veut remplir celui-là à ma place, tant mieux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé que la mort était un départ de ce monde et que c'était un malheur. Quand ceux qui nous ont précédés, marqués de cette espérance, nous ont quittés, nous qui restions sans connaître Dieu, avons cru qu'ils étaient anéantis, alors qu'ils étaient dans la paix. Aux yeux des hommes, c'est comme s'ils subissaient un châtiment. Mais
par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ils ont goûté déjà l'immortalité avant de goûter la formalité très désagréable de la mort pour certains. Pour sœur Emmanuelle, c'était plutôt cool. Elle ne tenait pas à fêter ses 100 ans, elle ne tenait pas à souffrir, elle tenait à s'endormir, elle a tout eu. Ce qu'ils ont eu à souffrir, et seuls ceux qui souffrent ont le droit de parler de leur souffrance. Que personne ne diminue le poids de nos coups dans la gueule simplement en disant « tu saignes pas trop, ça pourrait être pire avec une hache ». Que personne ne nous console en disant « t'inquiète pas, t'en as perdu une, moi j'en ai perdu trois ». Ça ne nous console pas d'amener des gens à Lourdes pour leur dire « j'ai amené un borgne à Lourdes, quand il verra les aveugles, il la fermera ». En tous les cas, la parole de Dieu dit « j'estime », et si c'est Dieu qui parle, là on peut quand même écouter, « j'estime que les souffrances qu'ils ont dû traverser étaient peu de choses à côté du bonheur dont ils doivent être comblés. » Et saint Paul reprendra cette parole. « J'estime, frère, que les souffrances de son temps ne sont pas à comparer au poids de gloire qui bientôt va advenir pour vous. » Et si c'est Paul qui le dit, vu tout ce qu'il a traversé, faut croire que le poids de gloire, on en a à peine idée. Le poids du bonheur, à peine idée. La seule fois où Jésus m'a fait sentir un peu son amour, c'était dans le train. J'ai été envahi d'une présence aimante et j'ai eu le malheur de lui dire « Arrête, arrête, je vais mourir si tu continues. » Trop de bonheur, saturé de bonheur, je ne savais pas. Je vais mourir si tu continues. Mais je sais qu'on peut être rassasié à l'excès. Je sais que Dieu a pour nous un bonheur qui dépasse la capacité actuellement pour votre chair de le porter, pour votre âme de le goûter, pour votre intelligence de le comprendre. Vous ne pourriez pas portez le poids du bonheur que Dieu a pour vous. Et il faut vraiment passer de l'autre côté pour que la chair ne lâche pas, pour que l'intelligence ne pète pas un câble et que votre âme n'explose pas ou n'implose pas, je ne sais pas ce qu'elle peut faire. Voilà. En tous les cas, il y a un bonheur en Dieu indéfinissable. Peu de choses auprès du bonheur dont nous serons comblés, car Dieu nous reconnaît dignes et il nous accueille. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront cette vérité. C'est quoi la vérité? C'est qu'il y a un bonheur au-delà de la souffrance et même, je dirais, un bonheur malgré la souffrance. La petite Thérèse de Lisieux disait « Je ne pensais pas qu'on puisse souffrir, je ne me l'explique que par le goût que j'ai eu de sauver les âmes, mais je ne savais pas qu'on puisse autant souffrir et qu'on puisse être en même temps aussi heureuse. Je ne comprends pas cette alchimie, je ne sais pas comment cela se produit en moi. » Confiance dans le Seigneur, vous comprendrez cette vérité, ceux qui restent fidèles resteront avec lui dans son amour parce qu'il accorde grâce et miséricorde. Il paraîtrait, à ce qu'il paraîtrait, qu'aux États-Unis et qu'en Angleterre,
on a le goût du bonheur aussi. Je le crois. Il n'y a pas d'endroit où on n'a pas le goût du bonheur. Mais que ce goût a un goût assez particulier, je vous dirai après pour nous. Mais là-bas, le goût bonheur est souvent confondu avec bien-être. Bonheur égale bien-être. Être bien dans sa peau, être bien dans sa tête, être bien dans son âme. Un bien-être. Est souvent confondu aussi avec un deuxième mot, liberté. Le bonheur égale la liberté chérie. Est-ce parce que, pour avoir connu les difficultés d'être exilé et de trouver une terre inhospitalière, se faisant une place parfois injustement, gagnant cette liberté de façon difficile, quand ils la tiennent, ils ne la lâchent pas. Et le symbole de l'Amérique, c'est la statue de la liberté. Liberté, liberté chérie, pour un Américain, et paraît-il pour un Anglais, c'est la maximalisation du choix. Nous avons le droit de choisir et chacun est libre de choisir. Et un homme heureux, c'est celui qui choisit comme il l'entend. Que personne ne lui impose rien dans son goût du bonheur. Le bonheur, c'est de pouvoir choisir ce qu'on veut, même sa mort. Maximalisation du choix. Choisir, avoir le droit à la liberté de choisir. C'est une affaire entre soi et soi. Ce n'est pas un problème. Le bonheur vu de cette fenêtre, c'est un bonheur à hauteur de soi-même. C'est le bonheur que je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux. Le choix de choisir d'être heureux comme je l'entends. L'autre n'a rien à foutre là-dedans. Ce n'est pas un problème, l'autre. Il n'existe pas et Dieu non plus. C'est une affaire entre soi et soi. C'est bien. On se fatigue au bout d'un moment avec soi-même. Je m'aime. Tu m'aimes, il m'aime, vous m'aimez. Voilà. Je m'aime, toi non plus. Enfin, vous savez, il y en avait des histoires comme ça. Aimez-moi à genoux, je suis fou, fou de vous. Sentiment pour sentiment, c'est moi que j'aime à travers vous. Aimez-moi. Et on bramait ça, hein, il y a quelques années. Hein. Individualité. Je suis responsable et libre de mon choix. Et il y a un gros malheur qui est lié à ça, une grosse culpabilité quand j'arrive pas à faire le bon choix, tout simplement. Voilà. Le bonheur vu un petit peu à la hauteur du monde plus qu'à la hauteur de Dieu, pour nous, il se canalise à peu près entre quatre lieux. J'en ai repéré quatre. Les psychologues en repèrent quatre aussi, ou les philosophes, je ne sais pas tellement leur nom. Ils repèrent quatre lieux de bonheur, de fondement de bonheur, selon le monde. Alors, le premier fondement, c'est l'être. Être. Un peu comme en Amérique, se sentir exister. Voilà une des sources et un des fondements du bonheur pour nous, quand je me sens exister. Un bien-être. Deuxième source ou fondement du bonheur que l'on croit être le bonheur d'après ce que nous dit le monde, c'est l'avoir, la possession. Posséder quelque chose ou posséder quelqu'un. J'ai une femme, j'ai trois enfants,
j'ai 5 petits-enfants, j'ai une maison, j'ai un travail, j'ai un chien, j'ai une voiture et je ne vous dis pas souvent dans quel ordre on les met. Posséder quelqu'un ou quelque chose. La possession. Troisième lieu de fondement un peu du bonheur serait le faire pour nous. Le fait de faire quelque chose, créer le bonheur de l'activité. Et quand on perd son boulot, on se suicide. Et quand on ne peut plus faire ce qu'on veut, on se fout en l'air. Et si jamais on me coupe une jambe, ça ne sera pas la peine, je ne pourrai pas tenir. Et si jamais on est dans le faire, et si jamais on est comme amputé psychologiquement, affectivement, physiquement, d'une capacité de faire, à quoi bon vivre ? C'est du malheur. Je ne peux plus faire mon jardin, je suis malheureux. Le fait de faire, bonheur, satisfaction, voilà, la satisfaction du faire, de l'action. Et puis ensuite, la dernière zone de fondement du bonheur, que je trouve être très très proche pour les chrétiens aussi, et qui ressemble un peu à quelque chose que Dieu a déposé dans l'homme, le désir du bonheur, qui va beaucoup plus loin que ce qu'il voit et ce qu'il touche, c'est l'appartenance. Quelqu'un est heureux quand il sait à qui il appartient ou à quel groupe il appartient et s'il appartient à quelque chose. Beaucoup parmi nous souffrent d'abandonnite aiguë, de se sentir orphelin, de n'avoir ni père, ni mère, ni famille, ni amis, ni patrie, ni groupe avec qui ils puissent vivre. Appartenir à une famille ou appartenir à un groupe. Le monde vous parlera de félicité, ce n'est pas une copine, le monde vous parlera de félicité pendant que la bonne nouvelle vous parlera de béatitude. Si vous voulez savoir ce qu'est le bonheur, demandez aussi à la bonne nouvelle et à Jésus ce qu'il pense du bonheur. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'être heureux ? Avoir une bonne santé, avoir des enfants bien élevés, avoir un mari ou un conjoint ou une femme qui vous aime, avoir un bon boulot. Tout ça, c'est du bonheur. Et ce n'est pas à mépriser. Dieu l'a donné à la terre pour que la terre aspire à plus. C'est du bonheur, pas méprisable. Mais il y a un bonheur qui n'est pas forcément celui de la bonne nouvelle. Écoutez Jésus. Si vous ne savez pas ce que c'est que le bonheur, écoutez lui dire ce que c'est que le malheur. Malheureux, vous les riches. Ah ben ça commence bien, moi je pensais que c'était le bonheur ça. Malheureux, vous qui êtes en forme en ce moment. Malheureux, vous qui riez. Malheureux si l'on dit du bien de vous. Malheureux si l'on ne vous persécute pas. Malheureux si vous avez tout ce qu'il faut. Si vous êtes repu, rassasié. Malheureux si vous vous sentez au plus haut de votre forme. Mais heureux êtes-vous. Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Bienheureux les pauvres, bienheureux les persécutés, bienheureux si l'on dit du mal, bienheureux si on vous en fout plein la gueule. Si c'est ça le bonheur chrétien, on n'a qu'à voir autre chose. C'est parce que souvent, quand on nous parle du bonheur et du malheur, on nous montre la croix, mais on ne nous montre pas la vie derrière la croix. On nous montre l'obéissance, mais on ne nous montre pas la liberté derrière l'obéissance. Et ceux qui vous prêchent la croix sans la vie vous amènent à un catastrophisme. Et ceux qui vous prêchent l'obéissance sans la liberté vous amènent à un grand malheur de fond. Il n'y a obéissance que parce qu'il y a liberté derrière. Il n'y a bonheur dans la croix que parce qu'il y a résurrection. Sinon, ça ne m'intéresse pas. N'oubliez pas que nous sommes faits pour un vrai bonheur plus grand que ce que nous devons traverser ici.
béatitude, pleine possession d'un bien éternel. C'est le don du bien éternel. Et par rapport à cette appartenance, je voudrais revenir un petit peu sur ce concept d'appartenance. Savoir à qui on appartient. Et que pour appartenir, il n'y a pas besoin de quelque chose de précis, il n'y a pas besoin de montrer patte blanche, il n'y a pas besoin d'un certificat de baptême, il n'y a pas besoin d'un visa, il n'y a pas besoin d'un truc de nationalité. On peut être un sans-papier et savoir à qui on appartient. Savoir à qui on appartient, voilà, dans le monde chrétien, le bonheur, un commencement du goût du bonheur. Et je me rappelle d'une dame qui, après des années de recherche de vie, des années de dons d'elle-même pour vivre, des années de sacrifice, des années de croix, des années de pénitence, des années de carême sans jamais voir Pâques, des années de soumission pour chercher la vie. Cette femme-là, un jour, ayant reçu le repos dans l'esprit, s'est mise à trembler de toute sa chair, de tout son corps. Elle n'arrivait pas à s'arrêter. Et elle m'a demandé que je reste devant elle. Et elle disait, t'en vas pas, que je puisse te regarder dans ce que je traverse en ce moment, que je puisse poser mes yeux sur quelqu'un qui voit plus loin que moi. Et alors elle tremblait de toute sa chair. Et j'étais avec une sœur dominicaine, sœur Catherine, qui est peut-être vers le bon Dieu, peut-être pas, et qui, une femme de feu, elle avait un peu l'onction kangourou, comme certains ici. Et alors, quand elle terminait ses lettres, quand elle m'écrivait, c'était une responsable dominicaine, elle me disait, la sauterelle du bon Dieu. Voilà, la sauterelle enflammée du bon Dieu. Hein? Eh bien, cette femme s'est approchée, cette dominicaine s'est approchée de cette autre femme avec moi. On était au-dessus de cette dame, de cette amie. Et à ce moment-là, on s'est regardé, la sœur et moi, et on lui a simplement dit, elle est de notre race. Je ne fais pas du lepénisme. Hein? Elle est de notre race, de la race du ciel, de la race des fils et des filles de Dieu, des princes et des princesses. On n'a pas dit tout ça, on n'a pas décliné notre identité. On a simplement dit, elle est de notre race. Et elle a dit, ça a été mon relèvement. À 45 ans, je suis entré dans la vie parce que j'appartenais à quelqu'un. Et j'appartenais à la race du bon Dieu. L'Écriture nous dit, le Christ s'est fait l'un d'entre nous pour qu'on soit de sa race. Vous êtes de la race du ciel. Vous êtes de la race des saints, des bienheureux. Voilà votre identité. Et même si certains d'entre vous portent encore un habit de misère, même si certains d'entre vous se sont un peu salis sur les chemins, quand on croise un prince, même quand il rentre de la chasse, crotté jusqu'au nez, on dit « c'est le prince ». Voilà. Vous gardez votre grâce de prince et de princesse, quelle que soit la merde dans laquelle on vous a foutu ou que vous vous êtes mis. Vous êtes de sa race. Alors, un jour à Salerne, il faut bien faire l'expérience un jour aussi, c'est pas le tout de le dire, mais il faut l'expérience. Et le fait de le comprendre me mettait de la joie. Mais ma chair ne le savait pas vraiment. Mais le fait de le savoir me mettait déjà en joie sans l'expérience viscérale. Et je le prêchais, je le prêche partout, et les gens ont l'air d'adhérer. Et c'est comme si, un peu, je faisais entrer les gens dans une vie que je ne goûte pas moi-même. Combien de fois je dis, je sers les autres à table, je leur dis ce qu'il y a dans les plats, je sens l'odeur, mais moi ça me passe sous le nez. Et alors une amie, Deborah Kendrick, a dit, Rémi, c'est un peu comme ça en ce moment, mais tu mangeras avec le patron à la cuisine après avoir servi tout le monde. Voilà.
Et ça, ça me fait plaisir. J'aime bien. Alors, étant à Salerne, je prêchais sur cette vie que Dieu peut donner et sur cette vie qui est comme cachée à beaucoup d'entre nous. Et voilà que pendant que je prêchais, le bon Dieu me cause à moi. Donc, comme je n'ai pas l'habitude, je prête l'oreille et sentant qu'il me parlait, je lui dis « c'est pas le moment ». Et c'est comme s'il me disait « oui, mais comme tu n'as jamais de temps, je te parle à un moment où tu es occupé ». Je disais « oui, mais je ne peux pas faire deux choses à la fois ». Et c'est comme s'il me disait « au moins là, tu ne peux pas échapper ». Vous savez, quand un enfant veut lui dire quelque chose de sérieux et d'important, si vous le prenez devant vous, vous vous mettez à sa hauteur, vous lui relevez le menton avec le doigt pour lui dire quelque chose de sérieux, tout son effort est d'essayer de baisser le menton, de fermer les yeux et de se boucher les oreilles. Il n'aime pas apprendre de cette façon-là. Mais si, jouant à autre chose, vous lui parlez de lui, tout en jouant, il a capté. Et si vous dites « Oh, j'ai fait du gâteau, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va le manger », il arrête tout de suite son jeu pour venir. Il a entendu et il sait que vous lui dites des choses importantes. C'est un trait de certains gamins. Et donc, moi, je crois qu'à la cour des grands, je ne sais pas bien entendre quand il veut m'expliquer quelque chose. Donc, il profite que je sois occupé avec vous pour me causer. Des fois, hein, quand je vous parle comme ça, je dis, bon sang, s'il y avait quelqu'un pour écrire ça, ça c'est important. Comment je vais faire, ça c'est important, mais d'où ça vient, comme ça. Alors ce jour-là, je parlais aux gens et le bon Dieu me dit, Rémi, la grande vérité de ton existence, la grande vérité de ta vie. Oh, j'ai dit, oh ben, c'est pas le moment, si c'est la grande vérité, il faut qu'on ait le temps. La grande vérité de ta vie que tu as oubliée et qu'on a cherché à te faire oublier, c'est que tu n'as jamais cessé de m'appartenir. Vous ne pouvez pas savoir, ça me liquéfie encore. La grande vérité de ta vie, c'est que tu n'as jamais cessé de m'appartenir. Moi, ça me... Voilà. Je ne peux presque pas aller plus loin. Ouais. Et il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour ça. Il n'y a pas besoin d'être quelque chose pour ça. Il n'y a pas besoin de faire un effort supplémentaire pour ça. Il n'y a qu'à accueillir ce bonheur que le Dieu veut nous donner. Il n'y a qu'à dire oui, je veux bien de ça. Une amie, Brigitte Achard, que peut-être certains ont eu la chance de connaître, c'est une femme qui peint des icônes sur verre. Et c'est une femme qui a eu un handicap de naissance, et ce handicap qui l'a fait marcher un petit peu bizarrement, qui l'a fait parler un peu bizarrement, qui l'a fait toucher un peu bizarrement, qu'il a fait manger un peu bizarrement et qu'il a fait peindre un peu bizarrement. Cette femme a une maladie qui l'oblige à vouloir tout ce qu'elle veut faire. C'est-à-dire, si elle ne commande pas à ses jambes de marcher, elle ne peut pas marcher. Si elle ne commande pas à son bras de revenir, elle ne peut pas. Toute la journée, à vouloir même sortir un mot, à vouloir peindre, à vouloir parler, à vouloir faire la cuisine. Est-ce que vous imaginez l'énergie qu'il faut dans le vouloir? Et cette femme marche, et cette femme rit, et cette femme parle, et cette femme s'est mariée, et cette femme a eu des enfants qu'elle a élevés, et cette femme était sculpteur sur bois et sur pierre. Des grosses sculptures, avec un maillet et des ciseaux, à bois et à pierre. Et elle vous tapait là-dedans où elle trouvait la force de chaque coup. Et elle disait, je la trouve en moi par la volonté. C'est épuisant de vouloir la vie
de vous l'arracher parce qu'elle vous est refusée à la naissance. C'est épuisant de marcher en voulant le bonheur et en voulant la réussite et en voulant un nom et appartenir à quelqu'un. C'est difficile et c'est violent. Et elle l'a fait par un vouloir humain, un très digne vouloir humain, qui est un vouloir humain très digne. Voilà. Mais il y a un vouloir de Dieu qui est beaucoup plus, j'allais dire, gratifiant et moins fatigant. C'est le bon Dieu qui veut notre vie, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas bien, qu'on le puisse ou qu'on ne le puisse pas bien. Il bénira votre vouloir, votre acharnement à la vie, mais, j'allais dire, entrez dans une dimension plus large du bonheur que Dieu peut donner sans qu'on ait à l'exiger au monde et à l'arracher aux choses et aux gens. Et cette fameuse Brigitte, le jour de sa conversion, a entendu Jésus qui lui a dit « Arrête tout !» Et elle a dit « Pas possible !» « Arrête de te bagarrer de la sorte !» « Pas possible !» « Arrête de sculpter de cette façon-là !» « Car tu te sculptes toi-même, tu ne sculptes pas ma grâce !» Elle a dit « Je ne peux pas !» Et à ce moment-là, on lui demandait de faire des expositions dans le boulot qu'elle faisait, et elle a tout bousillé, tout brûlé, tout jeté. Je ne sais pas si j'aurais tout fait comme ça, mais voilà comme elle l'a fait, elle. Et pendant 3 ans ou 4 ans, elle n'a plus touché un seul ciseau à bois pour faire une sculpture. Elle disait « J'arrachais la vie, j'arrachais le bonheur alors que la vie voulait m'être donnée, mais je ne savais pas la recevoir. » Donc elle a arrêté. Elle a arrêté. Et à ce moment-là, au bout de 3 ans, le Seigneur lui a dit, reprends des pinceaux, du verre et peins mes images. Peins quelque chose de mon royaume. Elle a commencé à peindre l'Évangile avec des pinceaux de façon très tremblante sur du verre, très cassant. Et elle faisait des expositions à la prison ou dans des lieux un peu difficiles. Et je l'ai invitée, quand j'étais aumônier de prison, je l'ai invitée plusieurs années à venir voir des caïds et des costauds. Alors vous imaginez, moi, le frère Rémi, et comme il disait, les frères, nous, ça nous, les frères, les prisonniers, d'ailleurs, les frères prisonniers, ils disaient, nous, ça ne nous intéresse pas de te casser la gueule, de te bousiller, parce que tu es tellement fragile que ça ne nous intéresse pas. Et puis après, ils disaient, tu es très dangereux parce que ta douceur nous oblige à faire tomber la colère et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Voilà. Donc, vous voyez, on change. Donc, il y avait moi et il y avait elle. Elle, elle arrive comme ça. Bonjour. Comme ça. Et elle montre ses icônes, comme ça. Et alors, les gars regardaient. Et quand elle témoignait de sa vie et de sa simplicité, ils fondaient. Des caïds qui fondaient, des hommes qui s'étaient durcis, qui avaient arraché la vie et le bonheur au risque de le prendre aux autres, tout tombait. Et j'étais tellement émerveillé que je trouvais qu'elle faisait un bon boulot d'évangélisation. Et je me rappelle ce jour où, sortant de la prison et passant devant les Beaux-Arts à Lille, je vois encore l'endroit où Dieu m'a parlé à travers elle. C'est un morceau de trottoir devant le Palais des Beaux-Arts de Lille, avant un panneau. Je vois ce bout de trottoir, mais c'est un bout de trottoir qui ne ressemble pas à un autre bout de trottoir. C'est une terre de Dieu pour moi. C'est un bout de trottoir que le bon Dieu a béni. Il faudrait presque y mettre une chapelle. C'est une terre de Dieu. Et ce surbout de trottoir, pendant qu'on marchait, Brigitte s'est retournée vers moi et elle m'a dit, t'en fais beaucoup de choses pour Dieu. J'ai dit, c'est normal. C'est pas normal. J'ai dit, c'est bien, il faut brûler par les deux bouts, il faut se donner, il faut se livrer, il faut y aller. Je disais, t'es pas obligé de tout faire ça.
J'ai dit, mais c'est bien, il faut le faire. C'est pas normal. Et j'ai dit, pourquoi? Ben, parce que tu le fasses ou que tu le fasses pas, il t'aime parce qu'il t'aime, patate. Voilà. J'ai envie d'arrêter là. Il vous aime parce qu'il vous aime, patate. Amen.